Réunis aujourd'hui pour les premières JFR de printemps. Les Journées francophones de radiologie, c'est un événement annuel qui se passe à Paris, à la Porte Maillot, chaque année, au mois d'octobre. Et puis cette année, il nous est apparu important et même majeur de nous réunir, radiologues et puis tous les intervenants qui sont autour de la radiologie, depuis le patient, bien sûr, jusqu'à nos tutelles, pour essayer de réfléchir évidemment les directeurs d'hôpitaux, les radiologues libéraux, les radiologues publics, mais aussi tous les représentants des syndicats, pour essayer de réfléchir aux grandes orientations de la radiologie actuelle. Nous avons vécu, nous les radiologues, des grandes transformations technologiques, l'échographie, le scanner, l'IRM, et là on a une nouvelle évolution technologique qui est donc l'apparition, je dirais même l'intrusion de l'intelligence artificielle, ou qu'on préfère en radiologie appeler l'intelligence augmentée, qui garde les deux mêmes initiales, IA, et qui me semble plus appropriée à notre métier en tout cas. Et donc il nous semblait important de nous réunir et de réfléchir à des thèmes différents, sur lesquels il y a eu 6 thèmes aujourd'hui. Moi j'ai eu le plaisir de préparer avec l'équipe de la Société française de radiologie le 5e thème qui était sur le management et sur la valorisation de la radiologie dans 2 types de parcours. On va dire le parcours classique, celui de la valorisation économique liée à la productivité, c'est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, et puis d'essayer d'envisager le passage ou l'association ou le caractère mixte entre cette valorisation entre guillemets dite économique au volume, on va dire, ou l'activité, à un management par la qualité, et avec donc une valorisation financière qui pourrait être associée. On a eu la chance donc de passer du temps avec des experts qui sont de grande qualité. Il y avait le professeur Étienne Manviel qui est médecin, qui est un spécialiste de la santé publique, qui travaille à l'IGR et qui s'occupe de parcours complexes au niveau à l'Institut Gustave Roussy. On avait la chance d'avoir le professeur Michel Tsimaratos qui est un néphropédiatre, qui vient d'écrire un très joli livre qui s'intitule « Repenser l'hôpital ». Et qui a été pendant longtemps un des responsables médicaux de la commission médicale établissement à la PHM, dans un gros établissement, qui a donc une expertise de qualité. Ensuite, on avait un représentant du CITEM, du syndicat des industriels de la technologie et des équipements médicaux, qui était M. Le Prince, et ensuite, bien sûr, M. Best qui nous recevait, parce que c'est le directeur général du CHU de Nîmes, et nous sommes à Nîmes aujourd'hui, avec plaisir. Qui nous a donné donc la vision du management par l'intermédiaire d'un directeur hospitalier, d'un directeur général d'un centre hospitalier de qualité. Et enfin, nous avons terminé avec le docteur Jean-Philippe Masson, qui est le responsable et le président de la Fédération nationale des médecins radiologues, donc le syndicat des radiologues libéraux, et qui nous a expliqué lui aussi sa vision du management et de la valorisation. On a beaucoup parlé de la possibilité d'intégrer, dans le cadre du parcours des patients, on sait que la radiologie est très existante depuis la portion initiale, c'est-à-dire depuis le diagnostic précoce, jusqu'au décès du patient. La radiologie est très présente dans le parcours de nombreuses pathologies pour les patients. On a essayé de réfléchir ensemble à comment essayer de valoriser, de mettre en avant et d'aider à faire en sorte que la qualité soit en permanence au cœur du parcours des patients et que sur le plan radiologique, on soit capable d'assurer pour la prise en charge de ces patients une qualité permanente. À la fois sur le plan, on va dire, technologique, évidemment, on a besoin, comme on l'a tous rappelé, d'instruments de qualité, d'appareillages modernes, innovants. Mais on a aussi besoin autour de nous d'avoir des radiologues performants, évidemment, sur le plan d'interprétation, sur le plan de la justification des examens, sur le plan de la discussion avec les demandeurs d'examen, nos collègues, pour être certains que c'est le bon examen pour le bon patient. Ensuite, on a réfléchi à comment diffuser toutes ces informations et comment favoriser une évolution de notre métier qui va être un peu plus facile avec l'apparition de l'intelligence augmentée, qui est celui du temps consacré à la discussion avec le patient pour expliquer le résultat d'un examen, travailler avec les correspondants hospitaliers ou libéraux qui nous ont demandé l'examen pour qu'on puisse leur expliquer le meilleur parcours à proposer pour le patient en fonction du résultat de notre examen. Donc c'est tout ça sur lequel nous avons travaillé pendant cette table ronde et qui nous ont permis d'avancer, de donner des pistes que j'espère les tutelles, nos tutelles, celles qui assurent l'évolution de notre métier ou la prise en charge de la santé en France, reprendront à leur compte. Notre objectif, de toute façon, comme pour toutes les tables rondes pendant ces JFR de printemps, c'est d'être productif. Donc chacune des tables rondes va produire un document. Ce document sera présenté de façon officielle à la fois aux tutelles, à la fois évidemment aux radiologues, parties prenantes,
à la fois au personnel non médical, c'est-à-dire les manipulateurs avec lesquels on travaille tous les jours, mais aussi aux représentants des directeurs, CHU-CH, évidemment aux syndicats, la FNMR, la Fédération nationale des médecins radiologues, et le SRH, le syndicat des radiologistes hospitaliers, donc privé, public, évidemment à toutes les tutelles, aux représentants des ARS, à la DGOS, à la DGS, toutes ces instances et toutes ces administrations qui nous gouvernent, pour essayer pour essayer d'être force de proposition, pour essayer de faire avancer notre métier dans le sens de la qualité de la prise en charge pour les patients. Aujourd'hui, on l'a bien vu, nous avons un financement qui est à l'acte. Il est ce qu'il est, il a été favorable, que ce soit sur le plan de la CCM ou sur le plan de la T2A au niveau des établissements de santé. Il a permis de nous obliger à d'améliorer notre productivité, d'améliorer la qualité de notre service rendu. Maintenant, il faut qu'on passe dans la deuxième dimension, qui est celle de la qualité à tout craint. Il faut absolument qu'on arrive à mettre ça en place et qu'on soit capable de valoriser, même si c'est un petit intéressement, mais il faut au moins arriver à faire valoriser cette qualité dans le cadre de la prise en charge des patients. Voilà, ce sont tous ces éléments dont nous avons parlé aujourd'hui qui étaient intéressants. Finalement assez novateur, puisqu'on a parlé beaucoup de modifications du management pour nos structures, qu'elles soient libérales ou publiques, dans le cadre de la radiologie, des expériences anglo-saxonnes, nord-américaines, hollandaises, et puis de l'expérience évidemment française dans les différentes régions, puisqu'il y a beaucoup d'expérimentations qui sont en cours en ce moment, pour essayer de définir quel sera peut-être notre avenir, nous verrons.